cher ami, reçois mes salutations en Jésus-Christ. C'est une grande joie pour moi de te croiser ici. Et merci de me prêter toute l'attention. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans les derniers temps. Mais nous ne sommes qu'au début de tout ce qui va arriver. Mais je t'encourage. C'est déjà difficile pour nous. Mais que le Saint-Esprit nous fortifie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Par Christ qui nous a aimés, tu ne vas pas succomber. Le Saint-Esprit te soutient. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux t'entretenir sur le but du diable dans ces derniers temps. Malgré ce qui se passe, la Bible nous exhorte de ne pas ignorer les intentions du diable et de ne jamais permettre qu'il prenne de l'avantage sur nous. Écoute, le diable est à l'œuvre. Il est appelé ici le dragon. L'ancien serpent. Il est méchant. Il est là pour un triple objectif. Nous tuer. Nous égorger. Et nous voler. C'est son triple objectif. Depuis le jardin d'Éden, il ne l'a pas abandonné. Mais il continue. Ce passage que nous venons de lire nous relate une image que l'apôtre Jean a vécue au ciel. Il a remarqué qu'il y a eu une guerre au ciel. Et le diable a séduit le tiers des anges. Alors les deux tiers sont restés du côté de Dieu. La Bible déclare qu'il y a eu guerre entre le diable avec ses tiers et les deux tiers des anges. Mais je me réjouis. Ce n'est pas Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ qui a combattu. Tu sais, le Créateur ne combat pas avec sa créature. Alléluia. Dieu le Père n'a pas combattu. Alors, le diable a combattu avec Michel et le reste des anges, les deux tiers. Et la Bible déclare que le combat était si terrible. C'était si fort. Il a fallu l'intervention de quelqu'un. C'est Jésus-Christ. Et la Bible déclare, le diable a été vaincu à cause du sang de Jésus-Christ et du témoignage de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Il est vaincu. On nous dit l'ennemi de nos âmes. Il est vaincu. On nous dit Jésus l'a vaincu. Jésus Christ on nous dit. Et à cause de cette défaite, Dieu l'a chassé du ciel avec le tiers des anges. Ils sont descendus sur la terre. Et quand ils sont descendus, la Bible
avec là. Bible en global. Le diable est en colère. Fous-toi le dicou cari cari. Et il est venu sur la terre. Et au vanimandi. Pour nous détruire. Mais il y a tchumomi. Et Jésus-Christ est descendu sur la terre. Et Jésus-Christ a trop vanimandi. Quand il était né sur la terre. Et quand dit l'animandi. Le diable a voulu le tuer. Fous-toi bossant dit mais oui. Mais il n'a pas pu. Voir. Et donc pour nous. Alléluia. Amen. Il n'a pas pu. Maintenant. Alors. Que Jésus-Christ. Jésus-Christ à la croix. La tite au gamti là. Il est t'allais pour vaincre le diable. Et il a dit au garanti, mais à bout. Et il a bouffé au sang. Il a versé son sang. Quoi vous voulez? Le troisième jour. Il est ressuscité. Un fort le titre. Écoute, ce n'est pas de l'histoire que je te raconte. Je ne suis pas un historien. Je te proclame le victorieux. Celui qui a vaincu le diable. Et comme le diable s'est vu vaincu, la Bible déclare, il s'est levé maintenant pour livrer combat et détruire les enfants de Dieu. Et ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Qui gardent les commandements de Jésus-Christ. Donc ce qui se passe dans le monde entier, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan culturel, le diable est derrière tout cela et vise l'église de Jésus-Christ. Arrêtez les chrétiens. Détruire la foi des chrétiens. Que les gens disent, point n'est besoin d'adorer Dieu. À cause de quel coronavirus. Cette pandémie qui tue les gens. Dans les lieux que l'amour mouvement. Plusieurs. Insultent Dieu. Pour les humains. Certains chrétiens abandonnent la foi déjà. Parce qu'ils ne supportent pas. Certains disent, si Dieu existe, pourquoi tout ceci m'arrive? Où est-il? Ils abandonnent. Le diable a une mission. Derrière tout ce qui se que nous vivons, il y a un nouvel ordre mondial que le diable veut instituer. Il est à l'œuvre. Tu dois le savoir. Ne vois pas que ce qui se passe est naturel. Non. Le diable est ses démons. Le tiers des anges. Ils sont des milliers, de milliers, de milliers d'anges. Donc ils ont reçu une mission de bouleverser le monde. Mais je rends grâce à Dieu. Parce que le Saint-Esprit retient le diable à cause de l'Église. À cause de nous les enfants de Dieu. Ah oui. C'est à cause de nous. Que le Saint-Esprit le ralentit. Alors toi enfant de Dieu. Ne perds pas de vue ce qui se passe. Non. Non. Même si les chefs d'État veulent nous faire croire que c'est eux qui vont nous proposer la solution. Il y a quelqu'un derrière tout cela. C'est le diable. C'est le diable. Il veut notre mort. Il veut nous amener en enfer. Mais il a menti. Il est vaincu. Jésus l'a vaincu. Et Jésus nous a donné le pouvoir de détruire ses œuvres. Alors, dans ces moments précieux, dans ces temps critiques, pour toi, enfant de Dieu, c'est de te lever dans la prière. De détruire les œuvres du diable. Tout ce qu'il organise. Depuis les sociétés secrètes. Les grands ordres mystiques.
qui veulent s'inspirer de ce problème pour instituer un nouvel ordre mondial. Les groupes de personnes qui se réunissent dans les grandes organisations internationales. Pour vouloir bouleverser le monde entier, nous n'ignorons pas les œuvres du diable. Tu dois te lever et prier pour détruire ces forteresses, pour détruire les œuvres du diable, fouler au pied le lionceau, le dragon. Tu comprends cela? C'est le temps plus que jamais de nous lever dans la prière comme des guerriers, comme des généraux, et prier pour détruire les eaux du diable. Parce que si tu te tais, toi qui retiens les commandements de Dieu, la Bible dit, il est descendu animé d'une grande colère pour nous faire la guerre. Et nous qui gardons les commandements de Jésus pour nous faire la guerre. Tu comprends ça? Quand les chefs d'État ferment les églises, ça ne te dit rien. Que c'est pour des mesures sanitaires. Humainement parlant, c'est bien. Mais au-delà, il y a autre chose. L'église du Seigneur est visée. Nous devons nous lever. Parce que dans ces temps-ci, aucun chef d'État ne dit, chrétien, priez là où vous êtes. Invoquez le Seigneur. Personne ne le dit. Tu comprends ça? Veux-tu te taire? Veux-tu fermer ta bouche? Ta foi est visée. Les démons visent ta foi. Les démons visent ton âme. Ils savent que quand la souffrance sera grande, quand tu vas manquer de tout, tu seras découragé. Tu ne peux plus prier. Tu seras anxieux. Tu vivras dans la détresse. Tu vivras dans la dépression. Mais lève-toi au nom de Jésus et prie contre cela. Nous sommes visés. L'église du Seigneur est visée. L'église, c'est toi. Toi qui as reçu Jésus-Christ. Ce n'est pas le temps de nous taire. Nous devons prier. Tu as compris ça? Au nom de Jésus, sois fortifié. Sois fortifié. Que le Seigneur te relève. Que ton moral ne soit pas bas. Non. Mais réunis tes forces. Implore le Saint-Esprit. Il est ta force. Jésus dit, nous recevrons une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur nous. Réclame sa puissance et lève-toi dans la prière et combat ces forces des ténèbres contre les esprits méchants dans les lieux célestes, les princes de ce monde de ténèbres et le prince de l'air qui est le diable lui-même. C'est lui. N'oublie pas cela. Le but du diable, c'est d'attaquer notre foi. Mais il a menti. Au nom de Jésus, nous l'avons vaincu. Amen. Amen. Je vais prier pour toi. Seigneur Jésus-Christ, nous n'ignorons pas les desseins du diable. Ses plans, c'est de nous tuer, nous égorger, nous voler,
anéantir notre foi. Nous amener à te renier. Et te méconnaître. Mais il a menti. Au ciel, tu l'as vaincu. Sur la terre, tu es descendu. Et tu es venu le vaincre à la croix. Et tu tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les forces de l'ennemi. De détruire ses œuvres. En ton nom, Jésus. Je me tiens dans ton sang. En vertu de ta parole. Je brise, je détruis les œuvres du diable. Dans ce monde entier, tout ce qu'il organise pour bouleverser ton programme, au nom de Jésus, nous l'anéantissons. Et tout ce qu'il planifie pour viser notre foi soit anéanti au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je prie pour toi. Pour le Saint-Esprit. Préserve ta foi. Que les flèches enflammées de l'ennemi qui sont projetées sur toi pour détruire ta foi, pour attaquer ton salut, pour attaquer ta vie de justice, que ces traits enflammés soient éteints au nom de Jésus. Que toute vallée soit comblée devant toi au nom de Jésus. Et que les chemins montueux soient maintenant nivelés au nom de Jésus-Christ. Et que toute montagne devant toi soit aplanée au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Seigneur, après toi, il est écrit, on me dit, ben, si ce n'est pas à cause de nous, tu ne vas pas abréger les jours. Mais c'est à cause de nous que tu diminues les jours. Pour cela, diminue-nous les jours. Soutiens la foi de chacun. La foi des enfants, la foi des serviteurs de Dieu, la foi des femmes, la foi des hommes, la foi des jeunes gens, la foi des jeunes filles, et les filles qui veulent succomber à cause de la souffrance, elle va se donner au péché. Saint-Esprit, sauve-les. De autre, que le Saint-Esprit te sauve. Que le Saint-Esprit te sauve. Qui te soutienne. Qui te soutienne. Qui te soutienne. Et qu'il te couvre. Du casque du salut. Et qui te donne la cuirasse de justice. Et le bouclier de la foi. L'épée de l'esprit. Et qu'il saigne tes reins de l'esprit de vérité. Et qu'il te chausse du sel de l'évangile. Sois fort. Sois vaillant. Écoute. Jésus a déclaré, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Sois un violent dans la foi. Que cet esprit t'anime au nom de Jésus-Christ. Ne laisse pas l'avantage au diable dans cette situation. Même s'il le fait, sois comme les trois compagnons de Daniel qui pourront dire, ô roi, écoute, même
Si notre Dieu ne nous délivre pas, nous ne nous prosternerons pas devant ta statuette. Que le Seigneur te soutienne. Il te fortifie. Sois plus que vainqueur. Jésus a déjà vaincu pour nous. Marche dans sa victoire. Approprie-toi cette victoire. Ne fléchis pas dans ces temps difficiles. Que le Seigneur te soutienne. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Merci de nous suivre. Et j'espère que prochainement, nous allons encore nous retrouver. Que la grâce de Dieu repose sur toi. Amen. Amen.